alors ça donne quoi? Foutu portable, ça capte pas ici. Bon, l'un de vous a un plan? On n'a pas le choix. Faut prévenir Friedman. Bien, un disque de sauvegarde. J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser par ici. Prends-le. Donc du coup, je vais reprendre notre poupouf. Donc. Allez, on y va. Voilà, toi tu viens. Est-ce qu'il y a... Il n'y a plus rien à ramasser. On est d'accord. Alors, il n'y a plus rien à ramasser ici. Alors là, on va se faire agresser. Non, parce que si tu rentres directement dans la porte, il se passera rien. Ah non, ben non, je suis re-rentré dans le hall. Voilà. Eh ben dis donc, note. Oh, dis donc. Comment j'ai trop le sens de l'orientation, en fait. Allez. Non, tais-toi. Les phares bretons, c'est vraiment bien. Les phares bretons. Comment il s'est rattrapé? Non, ça c'est la bibliothèque, c'est pas par là. C'est pas par là. Bon, cours un peu. Je suis pas par là. Oui, donc je te disais, là où tu dois aller, directement tu prends la porte qui sera donc à ta gauche. Ah, on va trouver Stan, il me semble. Ouais. Et là où il y avait les monstres, il y aura une batte de baseball en aluminium. Chut. Tu n'as rien entendu. Hop, je rentre. Et voilà. Ça marche bien. Oui. Stan, qu'est-ce que tu fais là? Il change ses notes. Oh, rien. Change mes notes. Si ça te tente pour 50 billets, je veux bien le faire pour toi. Hé, hey, arrête de déconner. Et toi, pourquoi tu traînes dans le coin? Ça va pas? Quoi? Mais t'as pas vu dans les couloirs? Tous les monstres qui se baladent? C'est le musée des horreurs. Oh, sans blague. Il faut que t'arrêtes la fumette, hein. C'est pas bon pour ce que t'as. Mais me dis pas que t'as rien vu. T'as vraiment rien remarqué de bizarre? Bah, à vrai dire, tout est zarbi dans ce lycée. Et ces bruits, c'est quoi à ton avis? Je plaisante pas, Kenny a disparu. Quoi? Tu te fous de moi là? Même Monsieur Walden a été blessé, il a dû aller à l'infirmerie. On est bloqué ici, on doit absolument prévenir Friedman si on veut quitter ce bail de dingue. Oh, ça commence à m'intéresser ton histoire. Ok, je te suis, et t'as pas intérêt à te foutre de moi. Ok, donc, mais Poupouf, tu vas rentrer, je vais prendre Stan. Tiens. Je viens avec toi. Voilà. Parce que c'est une chanson d'Eminem. Ok, un verre en carton, ouais, bon, j'en ai pas encore j'ai besoin, pris trois mais verres, ça devrait me suffire. Ça sera fait. J'aurais pas à revenir ici. Tiens, je vois que Diel a fait une pub pour ton live sur le réseau social Twitter, je te fais un Ouh, bisou. Ouh, c'est gentil comme tout. Oh, et c'est mignon. Oh, c'est mignon. Allez, Stan, fais ton truc, là. Sois un peu utile. Vas-y, fais ton truc. Ça me semble pas bien compliqué. Ok, donc faut que je sélectionne le fil de fer. Non, pas besoin avec Stan. Ah bah non, c'est vrai, remarque. Eh oui, madame. Ouh, c'est bien. Étrange disparition. Oh bah, un petit peu de lecture. Oui. Le lycée Leafmore est de nouveau au cœur de la polémique. En effet, Greg Anderson, un élève de seconde année, a disparu depuis lundi soir. C'est après les cours que ses camarades du pensionnat ont signalé son absence. Il serait allé à l'infirmerie après un malaise, et c'est là qu'il aurait été vu pour la dernière fois. Encore un étudiant disparu, le 17 décembre 1928. La liste des disparus de Leafmore s'allonge encore avec une nouvelle victime, Tom Maust. La police ne possède aucune piste valable ce jour et beaucoup de parents ont décidé de changer leur enfant d'établissement. Depuis 5 ans, ce ne sont pas moins de 12 étudiants dont on n'a jamais retrouvé la trace. De nouveau, le 24 novembre 1954, nouvelles dispositions ont été prises par la police dans l'affaire des disparus de Leafmore. Après la disparition d'un 16e étudiant, Richard Craig, jeudi dernier. Punaise. 13 mai 1969, mais que fait la police? Quand va-t-elle ordonner la fermeture de ce lycée? C'est ce que déclarait M. Flint à sa sortie du commissariat après la disparition de son fils Harry. La réponse ne s'est pas fait attendre, le directeur de l'établissement M. Friedman est venu ce matin à la rencontre des journalistes. Il semble que le fou furieux qui sévit dans nos locaux s'intéresse exclusivement aux étudiants logeant dans l'internat. Nous avons donc d'un commun accord avec les forces de l'ordre fermé son accès jusqu'à nouvel ordre. Donc ça pue, on sait que un moment donné, il va falloir y aller. Oui, 1er août. C'est... Oui, vas-y. C'est le moment qui me fait le plus froid dans le dos dans le jeu. Ah oui? Bah, Enjoy. Je suis jamais arrivé jusque-là, donc voilà. 1er août 1972, 3 ans après les dernières disparitions de Leafmore qui n'ont par ailleurs toujours pas été élucidées, Herbert Friedman, directeur du lycée, a annoncé officiellement que tout était rentré dans l'ordre.
Bien que l'auteur des crimes court toujours, il semble que la fermeture de l'internat ait calmé les ardeurs du malade mental responsable de ses disparitions. Voilà. Ah, bah tiens, Dudule, je vais te donner une arme. Dudule. Rien d'intéressant. Comment c'est... j'ai trop envie de chanter. Non, non, tais-toi. Non, je n'ai pas pleuré dans l'internat, Slim. Quoique tout presque. Parce que c'est vraiment un moment très glauque. Je dis rien du tout sur ce moment-là. C'est le moment où l'ambiance est vraiment la plus pesante. Batte en aluminium, ça c'est cool. Donc déjà, je lui change son arme. Non, comme ça. C'est pour ça que la barre de fer ne sert à rien, parce que juste après, tu trouves une batte en alu, quoi. Non mais voilà. J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser par ici. Alors déjà, hop, tu tapes ça et tu récupères. Voilà, energy drink. Comment que dans ma tête, ça fait en boucle comme un homme. C'est affreux, je te jure. Ouah, ça te casse des trucs de partout. Je vais me faire agresser. Oups, je tape à côté de la vitre. Ça fait bonk. Oh yeah, là pour l'instant, qu'est-ce que c'est ça? Les toilettes. Cette serrure a l'air fragile. Tiens Stan, vas-y. Il y a d'autres serrures à forcer dans le coin. Madame va. Mais pourquoi il veut pas y aller? Bon. Ah oui, alors si je vais là-bas, je crois qu'il y en a un qui va me sauter la gueule. Alors attends. Voilà. Gros babou. Alors la stratégie pour le battre, c'est de bourriner. Ouais, voilà, alors... merci. Ah, bourrine. Oh putain. Allez, mais tape-le. Sois pas débile. Rentre utile. Mais bon, Stan, ça te... Faut faire quelque chose là, parce que... Allez, mais tapez-le! Tu n'as pas réussi à projeter la porte parce que tu as appuyé sur A au lieu d'appuyer sur X. C'est possible. Bon, voilà. Donc lui, il va pas bien, donc on va lui donner une petite energy drink. Voilà. Oh, ça va mieux. Et est-ce que, après avoir fait le live sur Obscur, tu vas faire le live sur Obscur en mode spécial? C'est quoi le mode spécial? T'as une nouvelle arme. T'as deux nouvelles armes et des costumes. Non, rentre dans la pièce, vite. Alors oui, dès que t'entends... Ouais mais là, en fait on voit rien donc... c'est oui, pas c'est possible. Parce que tu as oublié porte juste avant. C'est ce que j'étais en train de dire. Qui t'aurait donné un pistolet. Et la porte juste avant, ici là tu rentres. Voilà. Porte métal. C'est bon, je l'ai eu. Et... comme ça, dans les toilettes, tu pourras avoir un. Vise un peu, un flingue. Un kit de soin, ouais. Ah, mais le pistolet, c'est peut-être Shannon, la blonde qui. C'est Ashley. Maintenir R2, mais j'en veux. Enfin, il veut me. Pistolet, c'est pas celui-là. Non, c'est ça. Voilà. Putain, 15 balles. Et une lampe torche. Je vous conseille à tous d'acheter Final Exam sur Xbox parce qu'il est très très bien. Et ceux qui l'achètent sur Xbox, ajoutez-moi. Comme ça, on joue tous ensemble. On fait une partouze de jeu. Et Mott, elle jouera avec vous aussi. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, pour les gens que ça intéresse, Mott a une chaîne YouTube où elle fait plein de let's play rigolo. De let's play rigolo. Oui, parce qu'elle joue très 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 bien. Non, je dirais pas ça, non. Alors, dans le chat, je vais vous envoyer un lien pour sa chaîne. Je vous demande de vous abonner si vous aimez bien les let's play. Comment il fait de la pub? Bon, en fait, là, tous les gens qui sont sur le chat qui parlent, c'est des gens que je connais un peu, quand même, un peu beaucoup. Et qui ne te connaissent pas forcément, donc... C'est gentil. Oui.
Oui, alors c'était pas comme ça, c'était... Je devais combiner une lampe torche avec... Alors, je fais ça, je fais scotcher la lampe A, et je reprends mon arme. Voilà, ça va mieux. Comment t'as juste trop gaspillé des balles à tuer les monstres? Ouais, je sais. Alors, y a Diel qui s'est abonné à ta chaîne. C'est pas vrai, merci. On fait un gros poutou à Diel. Et pour fêter ça, Patrick, c'est pas... Alors là, non. Ça va devenir le fil rouge de ce live. Et tiens, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent actuellement, je vais vous faire une exclue. Mardi sortira un coin des copains sur le fossoyeur de films. Ouh. Et il y a Slimane qui s'est abonné. Oh là là, avec un peu de chance, je vais arriver à 60 abonnés. Ouh. Oui. Alors, les gens, on fait tourner pour que Mott arrive à 832. T'es pas fou, toi. Oui, je sais. Ouh là, un disque. J'en ai combien? 3. On économise. Alors, je crois pas que ce soit dans cette salle. Non. De toute façon, il faut qu'il aille voir la porte avec le verrou tout rouillé, là. Avant de pouvoir faire quelque chose. Alors, moi, je dis ça comme ça, mais Josh, il va pas bien. Il se tient les côtes. Ouais, je sais. Oh bah, du coup, c'est un mec. Tout crevé. Tous les mêmes. Alors là, je vais me faire agresser, je crois. Hein, y a un petit bizarre, non, qui va sortir. Non, c'est pas là. Non, mais avant d'entrer dans la porte, je te conseille de laisser ton coéquipier dehors. Tu rentres dans la porte et tu cours vite de l'autre côté de la salle. Pour casser une fenêtre. Pour casser une fenêtre et tu restes dans la lumière. Alors il se peut que tu te fasses toucher par le crachat des monstres. Mais dans ce cas, je vais te donner un petit peu de boisson parce que. Ouais. Voilà. Donc t'as toi. Vu un peu les... Tu surveilles ici. D'accord. Et Diel, non, le Obscur 2, il est pas top du tout. Non. J'ai vu un let's play dessus, il est assez moisi quand même. Moi j'ai fait le jeu en vrai. Et Hop. Voilà. Ils font dans la lumière. Non, t'as plus qu'à esquiver un peu le crachat. Ah, c'est bon. Ah, ils sont tous morts, c'est bon. Ah, ils sont tous morts, ouais. Ah, j'ai géré quand même beaucoup. Ah, non, mais de rien. Je te dirai merci quand on aura fini le jeu. Bon, bah, du coup, je peux sortir. Est-ce que tu as pris. J'ai pris le disque. J'ai pas pris l'acide encore parce que j'ai pas vu le cadenas. C'est pas grave. Ah, d'accord, tu veux faire du repérage. Mais il me semble qu'il peut. Enfin, qu'il prend pas l'acide tant qu'il a pas vu le truc rouillé. Si. Ah ouais, tu sélectionnes le gobelet, tu fais utiliser devant l'acide. Ah ouais. Bah écoute, on va faire et ça. Et oui, Diel, tu peux acheter le. Tu peux acheter Obscur 1 qui ne vaut pas rien. Il est pas cher du tout, je crois, il vaut 5€ ou 10€. Pas tout payday. Alors, et c'est là où il va falloir courir. Oh, ça parce va, que. Bah disons que maintenant que j'ai descendu le gros pabot, ça va aller. Mais ah bah t'es obligé de descendre. Bah t'es pas obligé, mais disons qu'il te ralentit un peu, hein. Un peu plus. D'ailleurs, est-ce que t'as remarqué qu'en montant les escaliers, il y avait de l'obscurité qui a fait zip? Oui. D'accord. Je l'ai vu. Alors, je peux totalement expliquer ce phénomène. J'en sais rien. Et je te conseille aussi d'enlever le pistolet des mains de Stan, sinon il va bouffer tes munitions, mais à un point. Ouais, mais alors attends, d'abord je vais faire mon truc vite. Alors déjà, d'abord tu fermes ta gueule parce ouais, que c'est mon live. C'est moi qui joue. Hein, connard. Tiens, je te crache dessus. Et là, le crachat, il fait tout Angoulême jusque dans les bouches du Rhône. Pour arriver dans mon œil. Parfait, Dice, doing. Tout le paquet de scotch. Oui, alors vous allez en choisir sur le crachat. Ah, très bien, Josine. Oulala, vite. Utilise. Voilà, c'est bon. Ça c'est on fait. Les donc, Débilos, tu vas changer d'arme. Voilà. Et... Ah, c'est qu'on est à l'étage là, c'est vrai. C'est vrai. On va aller au. C'est quoi tout ce bordel? On va se faire agresser là aussi. Ouais,
C'est du délire. Ah oui, parce que ah, c'est là au fond, voilà, il y a un élève qui est tout bizarre, il vient nous sauter dessus. J'étais chié dessus, moi je fais oh putain, il y a quelqu'un et tout, ça va être. Meurs. Voilà, ça s'est fait. Et toi aussi, toi tu te calmes et arrête de me cracher là. C'est pas poli ça. La salle qui est derrière derrière toi, du coup, enfin, qui est gauche. Attends, j'ai donné un coup à Stan sans faire exprès. Il s'en est pris une, bing. Oui, donc tu disais la salle qui est à ta gauche, du coup t'as pas besoin d'y aller. D'accord, y'a rien du tout. Je pense qu'il y a rien de. En fait, je sais que c'est la solution d'une énigme. Mais on récupère pas un petit truc là pour la carte, tu sais, l'espèce non. De. Non, non. Je sais pas quoi, non. C'est pas à cet endroit là. Mais je vais quand même y aller. Juste pour t'emmerder. Voilà. Ah, bonjour Oshio. Bonjour. Alors, ce n'est pas moi qui joue Oshio. Non, c'est moi. Matt. Oui. Alors, si tu vois que quelqu'un joue mal, c'est normal. Mais bah, attends, je suis désolé, je ne peux pas mal jouer à Obscur. C'est le seul jeu que je peux dire que j'ai du skill dessus. Et d'ailleurs, je te dis, oui, pas besoin d'y aller et tout, tu rentres dedans. Bah ouais, carrément. En parce mode. Bah attends, faut bien voir qu'il y a un truc là, mais il y en a besoin. Attends, j'ai pas regardé. Je vais noter ça quand même, je sais pas si. Hein, voilà. C'est 330 degrés sur 25, je crois. Putain, mais il connaît le jeu par cœur. Attends, c'est ça? C'est 25? C'est 20. Qui était presque. Ah. Mais putain, ça écrit pas. Parce qu'en fait, moi, je ne connais plus les trucs par cœur. Je connais juste la position qu'ils doivent avoir sur la carte. D'accord. Hop, hop, ça s'est noté. Ouh, il y a des bruits derrière moi. Non. Alors, Oshio, Mott est une fille. Oui. Parce que j'ai vu qu'il n'avait pas ta maniabilité. Oui, non, je n'ai pas fait d'opération dernièrement. Alors, porte tes couilles. Hey, comment tu vas, Oshio? Bon, ils se tiennent tous les deux le bide, mais c'est pas grave. Alors dit, ouh, Friedman. Friedman. Poc. Alors, consentante, t'as bien dit bide, hein, tout à l'heure. Ils se tiennent le bide, oui. Pourquoi? T'as écrit quoi? Je sais pas. Non, je suis pas vulgaire à ce point. Aujourd'hui, à... Oh. Allô. Oh. Cinématique. C'est Mademoiselle Wixon. Vous pourriez dire à Monsieur Friedman de venir me voir dès que possible. C'est très urgent. Je ne peux pas quitter l'infirmerie. Mais qu'il vienne vite. Merci. Aujourd'hui, à 18h50... Herbert, si tu es là, réponds-moi. S'il te plaît, viens vite. Je sais pas ce qui se passe, mais... Je crois que ça a un rapport avec les expériences. J'ai vu plusieurs élèves. Enfin, c'est sérieux. Viens vite. Oh non. Oh non, ils ont tué Kenny. Ah non. Ça aurait pu. Bon, ben du coup... Friedman, ah. Vous êtes là? Non, il est pas là. Alors voilà, c'est... Il ici. Est caché. Où il va nous manquer deux petits bignous à mettre en place sur la carte. Oh, il y en a un qui est dans la salle. Non, ouais, qui est, il me semble là-dedans, et il y a un dans une pièce pas loin. Allez, prends là. Prends le truc, fais pas chier. Dans la pièce des ordinateurs, voilà, où c'est il y aura une fenêtre au fond. Oh là. Il y aura un monsieur sur l'ordinateur. Donc, il est à la bibliothèque. À la bibliothèque. Moi d'ailleurs, je me rappelle toujours l'endroit de la carte, je m'amusais avec la batte de baseball à taper le petit Bouddha. Je sais pas pourquoi. Les petits boudins. Ok, bon, j'arrête. Il reste quelque chose à faire ici. Il reste quelque chose à faire, oui, je sais. Bah déjà, je vais en placer un hein, de Bignou. Alors... oui, donc ça... Non, c'est ça que je veux faire, voilà. Utiliser. Alors lui, on va le mettre sur 330, c'est ça? Oui, qui alors... pointe vers... Attends, d'abord, je vais voir sur le live si tu l'auras bien mis. Voilà.
Alors, oui, Oshio, c'est un jeu d'horreur. Oui, tout à fait, Survival Horror. Et c'est genre le meilleur Survival Horror de tous les temps. Bon. Alors, c'est peut-être pas celui qui fait le plus peur. Tu me dis s'il est... Normalement, il est bien mis, là. Je crois. Je crois que c'est bon, ouais. Peut-être un le décaler d'un cran sur la gauche. Ouais, mais là, il pointe vers 300 et pas 330. Fais pas confiance. Si je fais ça. Ah, mais tu me dis ça, mais... Voilà quoi, moi j'ai 30 secondes de c'est décalage. Pour ça que je te dis, si je le décale sur la gauche, il va pointer vers 300 et pas 330. Non mais, fais-moi confiance. Bon, je te fais confiance, allez, pour une fois. Bon, bah du coup, on sort de là. À tous les coups, je me suis trompé quand même. Oui, à tous les coups, tu t'es trompé, ouais. Pour une fois, j'ai raison. En fait, moi, dans ma tête, je compte pas en guise de 330 et tout. Je compte en guise de clac, clac, clac. Clac, 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 ok. Oui, ça dans ma tête, en fait... Ça va m'aider. Dans ma tête, en fait, je compte le nombre de fois que je décale le truc. Voilà. Alors, la porte est condamnée ici. Ici, ouais, c'est là où ils sont sortis. Les... Il va venir pas beau. Et oui, moi, je dis Obscur, il fait plus flipper qu'à Outlast. C'est... Chut. Non. Chut. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, il fait peut-être pas plus flipper qu'Outlast. C'est pas le même genre. Mais l'OST est mieux. Ah oui, oui, là par contre, oui. Je casse une fenêtre, hein. On sait jamais, des fois je me fasse agresser. Ouh, un cartable. Le second personnage est dirigé par l'ordinateur. Oui. Et j'ai la deuxième aiguille et je me fais agresser vite dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière. Et on espère sincèrement que quand ils vont le passer sur Steam, il doit pas jouer. Arrête de me cracher la figure, toi, allez. Voilà, ça c'est fait. J'ai peut-être les soigner là tous les deux parce que mine de rien. Voilà. Et Stan aussi. Voilà. Tout poudou. Tiens, sur le chat, il y a Slimane et Oshio qui se battent pour savoir qui a dit TikTok en premier. Et eh bah, ben, c'est ma mère! Quand je suis né, elle fait oh, on l'appellera T-Duck! Ouais, okay. Je pousse le chariot! J'avais jamais fait gaffe! Je danse avec le chariot! N'importe quoi! Et du coup, m'amuse. Est-ce qu'il y aura une retranscription sur YouTube du live? Pourquoi pas, oui! Ah, ok. Oui, c'est faisable, hein! Je l'avais déjà fait. Je t'ai dit de me poser la question. Oh, allez, allez, dégage, viens, toi. Allez, boum. Oh, les gros boum. Il me tire la langue. Mais... Oh non, 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 non. Non. Il y en a un qui est mort. Qui? Oh, c'est Josh. Ça va, c'est le plus nul. Mais non, mais il est bien, lui, mais je veux pas qu'il meure, moi. Depuis quand j'ai pas enregistré? Josh. Oh, Josh, Josh, non. Depuis longtemps t'as pas enregistré, je crois. Ah bah non, mais ils sont morts tous les deux. Ah non, ça le fait pas, ça. Ah ouais, mais... Ah non, je me retrouve avec les deux poufs. Mais du coup, attends, ta dernière sauvegarde se remonte à... Si je fais charger... Ouais. À la cafétéria. Oh, mais c'est le tout début du jeu. Mais oui. Oh non. La panouée. Je vais réussir quand même à jouer 43 minutes il y a je sais plus quand. Et ils étaient tous en vie et là non. Voilà, parce que j'ai pas utilisé l'arme. Voilà, c'est ta faute. C'est ta faute. Quoi? Bon alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars pour essayer de tous les sauver ou est-ce que je continue avec les deux poufs? Au pire, tu prends la sauvegarde du bureau administratif. Ouais, c'est une... Et au pire, si vraiment c'est plus loin que là où on en était, ce que je doute, on expliquera, enfin j'expliquerai. Ok, on va faire ça. On va tricher. Bah non, pas... Ah, quoique la classe de biologie, c'est exactement là où il y a l'acide.
Ah. Et oui, ma petite dame. Ah, mais oui, c'est vrai. Donc en fait, oui, j'ai joué 43 minutes. Je te rappelle quoi, ça est-ce fait que quand j'ai même... mes... Ouais, je l'ai vu en carton. C'est... En fait, ça fait quand même une heure qu'on est en live. Et oui. Non, 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 quand même pas. Si. Il est 22h10. Ah oui, quand même. Hé hé. Hé, ben on va pas le finir ce soir. Hein. Ouh là là, je vais me faire agresser. Je suis surtout bon, bah, je garde l'arme à feu. Et... Je suis surtout en train de me dire, est-ce qu'on va le finir demain? Parce que, à la vitesse, là, je pense que ce week-end prochain, on est encore bon pour continuer. Hein. Alors, attention, c'est le moment marketing. Alors, les amis, est-ce que la semaine prochaine, ça nous vient? Mais tire! Putain! Voilà, dans la lumière! Didi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, petit. Oh là, j'ai du mal avec les contrôles. Non, mais je voudrais une autre arme si c'était possible. Non, j'en ai pas. Alors, Slimane, oui, de l'acide dans du carton. Et oui, tout à fait. Et oui, oui, c'est logique. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher parce que ça décide. Mais quel. Ah, oh, mais quel blaireau ce stand. T'es débile ou quoi? Mais il va taper des monstres alors qu'il devrait rester dans la lumière. Bah c'est pour ça que... Mais oui, c'est pour ça qu'il faut le laisser à l'extérieur, mais qu'est-ce que tu veux? Eh oui. Et puis bon, je suis désolé. Oh, la suite dans un carton, machin. On est en 2004. Ok, on demande pas un jeu réaliste, ok. Super. Critique pas obscure. Fais gaffe à ce qu'on dit, hein, parce que il a le pouvoir de bannir les gens. Oui, j'ai le pouvoir de bannir les gens. Avec mon glaive turgescent. Alors là, j'ai une note que j'avais pas lu, mais je vais pas la lire. Oui, bah déjà, elle est super longue. Ouais, elle est super longue. Bon, ça parle d'une plante, voilà. Une plante bizarre et... la propriété hors norme. Nonobstant son incroyable longévité, la plante est particulièrement réceptive au croissement. Bon, allez, ça suffit. Bon, j'ai peut-être arrêté de faire ma débile. Et sauvegarder quand il faudra. Alors. Ouais, Metal Gear Solid est peut-être pas plus réaliste que ça. Faut pas déconner. Ah d'ailleurs, en parlant de Metal Gear, hein ? Alors, c'est qui veut jeter des cailloux sur les gens qui ont pas joué à Metal Gear ? Hein ? Eh ben, y'a Mott, elle a jamais joué à Metal Gear. Oh non, me lapidez pas. Qu'on lui jette une pierre. Non, mais au fond, elle est gentille. Au fond. Oh. En cherchant bien. Oh, bah, vraiment très bien. Espèce de chacal. Je suis non, c'est ça que je veux faire. Non, c'est ça que je veux faire. Alors, ce que je peux te conseiller, ma petite motte, oui. C'est tu... Je sauvegarde. Boum. Non, tu sauvegardes à chaque fois que tu trouves un CD. Oui.